25 juin, Orléans. La France exsangue commence à reprendre vie. Notre armée est renforcée par de nouvelles recrues. Autrefois, les hommes ne juraient fidélité qu'à leur propre seigneur. Maintenant, nous ne nous battons plus que pour des seigneurs et des dames insolents, mais pour la France. Pour nous tous, Jeanne est la France. Nous ne faisons aucune différence. Le dauphin en personne est arrivé à Orléans. Je n'avais jamais vu semblable célébration. La France réclame un roi et nous devons escorter le dauphin jusqu'à Reims, où il peut être couronné officiellement. La ville de Reims est déjà dangereusement menacée par l'armée anglo-bourguignonne. Les villes de Troyes et de Châlons barrent le passage. Jeanne donne l'ordre de libérer les trois villes avant le couronnement et nous nous livrons au combat avec ardeur. Jeanne d'Arc attaque notre campement. Aux armes, les Français essaient de traverser le fleuve. Ne la laissez pas traverser le fleuve. Nous sommes chargés de vous aider à construire votre campement militaire. Libé, Pirates. Libé.
flippait. Yeah.
avertissant. Prêt. Certes. Oh yeah. Bûcheron. Pastisor. Libet. Oé. Ferrax. Thank you.
pas si sort. Chalon a été libéré. Pastisor.
Thank you.
Prince a été libéré.
Les Britanniques ont subi une défaite à Troyes. Maintenant, le dauphin peut être couronné. Quand nous sommes entrés dans Reims, une foule de paysans et de seigneurs se sont agenouillés aux pieds de Jeanne. Certains sont même allés jusqu'à embrasser les empreintes de sabots de son cheval. Les canons ont retenti et des milliers de drapeaux flottaient au vent. Sur l'immense place, le dauphin s'est agenouillé devant l'archevêque et il a été nommé roi de France. Le grand château vibrait au son des prières, des hymnes et des sermons. Disséminés parmi les ducs et les dames parfumées, les soldats de notre armée, dont beaucoup de blessés, étaient en lambeaux. Jeanne était aux côtés du roi, avec son étendard de bataille trempé. Malgré la célébration, je savais en mon fort intérieur que la guerre était loin d'être finie. Nos pères et nos aïeux sont morts au combat contre les Anglais. Jeanne nous a donné l'espoir, mais l'espoir ne suffit pas à garantir la victoire.